Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens vous montrer un petit peu malheureusement des petits achats. Alors il y a quelques petites conneries que maman m'a achetées, enfin m'a achetées, m'a donné en fait, qu'elle s'était achetée pour elle et que ça lui plaît pas. Donc elle m'a filé 2-3 conneries comme d'habitude, à chaque fois qu'on se voit je repars avec un petit sac avec des petits trucs dedans. Et surtout on était en vadrouille pendant 2 jours avec ma petite maman, le 2 et le 3 mai. Le 2, j'ai déposé moi ma voiture au garage, donc on a vadrouillé avec sa voiture. Et le 3, c'est elle qui avait sa voiture au garage, donc on a vadrouillé avec ma voiture. Et donc on est allé un petit peu à droite et à gauche. Et forcément, on a, au début, franchement, le 2, on n'a rien dépensé, me semble. Si, un petit peu le 2, mais on va dire qu'au tout début, on était dans un centre commercial et on n'a rien dépensé, donc on se sentait forte. Et après, on est allé dans une parapharmacie et là, on était un petit peu moins forte. Donc moi, j'en ai eu pour 40 euros dans cette parapharmacie. C'est la parapharmacie de Roissy-en-Brie, donc c'est une parapharmacie qui se trouve dans le 77 et c'est la moins chère d'Île-de-France. Donc, enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, parce que ça marche beaucoup par lot, ça marche beaucoup par grosse quantité, gros volume, donc effectivement, ça revient moins cher. Et le lendemain, on est allé chez, bah pareil, un peu partout et j'ai pas dépensé. Et le dernier magasin qu'on a fait, c'est Noz. Et là, par contre, j'ai acheté 2-3 conneries. J'en ai eu pour 8 euros. J'ai acheté 2 ballons pour mon chien. Et je me suis acheté des huiles. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, chez Noz, je me suis pris des petites huiles comme ça, des huiles de massage. Hop! C'était 2 euros l'huile. Donc j'ai pris de l'huile d'argan. Alors c'est la marque quoi? By Prefar. C'est pas bio, mais bon, c'est pas grave. C'est toujours sympa. Voilà. Donc c'est l'huile de soin. Et là, c'est à l'huile d'argan. Donc là, c'est pour peau et cheveux. Je sais pas si vous y verrez grand-chose avec le flash qu'on a dans la gueule. Mais il commence à faire nuit. Donc je suis désolée si vous voulez me voir. Là, c'est à l'huile de germe de blé. Donc, ça aussi, c'est pour peau et cheveux secs. Et moi, ce sera surtout pour la peau, hein, pas trop pour les cheveux. Voilà. Et là, c'est à l'huile d'avocat. C'est aussi pour les peaux sèches et fatiguées. Donc, là, c'est pas pour les cheveux, c'est juste pour la peau. L'huile d'avocat. Avant de me lancer dans éventuellement une commande par la suite chez Aromazone, j'ai envie de voir si j'adhère aux huiles en général. Donc, ça, c'était chez Noz. Bon, j'ai pris après 2 ballons. Chut. Je vous montrerai, ils sont partis au gonflage chez mes parents. Donc du coup, demain, je vais chez mon frère et il y a mes parents qui viennent aussi. Et donc là, il va me redonner un ballon. Et demain soir, quand je rentre, je vous montrerai quand je vais lui donner. Elle est folle avec les ballons. C'est exactement les mêmes que ça, en fait. Vous savez, celui qu'elle a complètement destroy. Et elle en est tarée. Donc je vous montrerai demain. Donc je continue avec mes petits achats en parapharmacie. Donc je continue dans l'huile. Je me suis racheté. Donc là j'en ai pour 40 euros. Celle-ci je crois que ça coûtait 10 euros quelque chose. L'huile prodigieuse de chez Nuxe. Voilà. Que j'avais utilisée en tout petit format là dans un kit. Et j'ai kiffé. J'ai adoré. C'est un des seuls produits de chez Nuxe que j'aime en fait. Il y a la crème pour les mains qui était sympa. Mais le crème pour les mains, on va dire, j'en connais beaucoup des sympas qui coûtent 2-3 euros. Donc je vais rester avec celle qui coûte pas cher. Mais celle-ci, franchement, aussi bien pour les cheveux, le corps, le visage, les mains, franchement, je l'ai adorée. En plus, elles sont super bonnes. Donc là, vu qu'elle coûtait 10 euros, j'ai dit, allez, c'est parti. Ensuite, je me suis acheté un kit de chez Caudalie. J'en avais un déjà, que je n'ai pas encore utilisé. Et là, c'est avec des nouveautés, comme par exemple l'huile. Voilà, donc ça coûtait 7,90 €. Et donc là, il y avait la petite huile, la audacieuse, non, c'est quoi? L'huile divine, rien à voir. L'huile divine qui sent super bon et qui est super agréable. Donc du coup, j'ai dit, bah tiens, je vais prendre ce petit kit-là et ça me permettra d'essayer, comme j'avais fait pour Nuxe. Ça me permet d'essayer et de voir si ça me plaît ou pas. Ensuite, toujours dans les huiles, je suis dans ma période huile. J'ai acheté l'huile de massage minceur de chez Velleda. Et il y a le petit gommage corps qui est offert. Une crème douche gommante, voilà. Et là, c'est le lot de 2 huiles. Ça m'a coûté 12 euros. Donc, ça va. Et comme en ce moment, je suis dans les trucs minceurs et dans les huiles, hein, visiblement. Du coup, je me suis dit, bah allez, vas-y, prends. Dernier petit truc que j'ai pris, là, on va dire que ça n'a rien à voir avec la beauté. Entre guillemets, c'est du magnésium marin en comprimé. C'était le lot 2. Donc là, il y a pour 2 mois de cure en fait.
Et le magnésium marin, ça joue sur le stress, ça joue sur les crampes, sur la bonne humeur, sur le sommeil, tout ça. Donc, on va bien voir si ça arrive à me détendre, si je n'ai plus de crampes et si j'ai plus envie de tuer les gens de mon boulot. Donc, c'est tout au niveau de mes achats. Je trouve ça déjà énorme pour une fille qui n'a plus le droit de dépenser. Donc, il faut juste maintenant que j'arrête de sortir de chez moi. Parce que je ne commande pas sur Internet, donc ça va. En ce moment, ça fait des mois. Ça fait des mois que je n'ai rien commandé sur Internet, donc on touche de la peau de cochon. Ensuite, c'est des petites choses que ma maman, elle m'a données. Elle m'a donné trois petits échantillons comme ça, et elle me dit que c'était super bien. C'est un concentré de lait de chez L'Occitane. Elle m'a donné trois échantillons comme ça. Elle me dit que c'était super bien. Donc on va tester ça en sortie de douche, un de ces quatre. Je sais pas si vous connaissez, mais alors l'Occitane, ça coûte une blinde. Donc je n'achèterai pas, même si c'est super bien. Ou au pire, je lui demanderai d'acheter quelque chose lors d'une prochaine commande. Et puis voilà, elle me fera ce cadeau. Ensuite, elle a acheté lors de la semaine beauté Carrefour le L'Oréal effet fossile papillon. Elle a détesté en fait. Elle a détesté, donc elle m'a dit, tiens, je te le file, tu l'essayeras pour voir si toi il te plaît. Moi, ça me plaît pas. Donc j'ai entendu du bien. Et là, c'est elle, la première, à m'en avoir dit du mal. Donc on verra bien. Ensuite, elle a retrouvé quelque chose qu'elle n'avait jamais utilisé. C'est la poudre libre beige naturel de chez Yves Rocher de la gamme Luminelle. Et comme dans ma formation maquillage, on m'a dit d'utiliser de la poudre libre. Donc pour moi, je peux faire ce que je veux, hein, mais en tout cas, quand il faudra que je maquille les gens, que ce soit mon CAP ou machin, de ce que j'ai appris, il faut que j'utilise des poudres libres. Donc du coup, j'en ai déjà une en beige naturel. J'aurais juste en acheter une plus foncée et une transparente. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo toute riquiqui, toute courte, mais bon, c'est suffisant, vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye! Coucou les filles, alors j'ai un petit cadeau pour Dolly, je vous le montre, il est juste là, voilà, c'est un beau ballon tout neuf, tout neuf. Donc je vous avais promis, dès qu'il serait gonflé, que je vous montrerai un peu la réaction de Dolly. On va essayer de l'appeler. Dolly! Viens mon bébé! Viens, viens me voir! Elle arrive, elle est quelque part là. Viens me voir par là, là, là. Viens me voir là, bébé. Regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Viens, là. Regarde, bébé. Dolly. Regarde-moi. Gaï Bayon. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est Bayon. Et hop, le Bayon. Voilà, elle en est carrée. Grosse tarée. Et voilà. Il est percé. Dolly. Dolly. Voyez, on a compté, hein, il a fait 1 minute. Il était, je pense, un peu trop gonflé. T'es une brutos, hein. T'aurais pu jouer un petit peu avec. Hein? Peine à moi. Ah, elle l'a eu, hein. Elle l'a complètement eu. Et elle en est encore complètement folle. C'est le baillon? Dolly? Dolly? Bon ben voilà les filles, vous avez vu un peu l'espérance de vie d'un beau ballon de foot. Heureusement que celui-ci, je l'ai payé que 95 centimes. Ouais. Hein, Dolly? Oh, elle est belle avec son beau baillon. Il était tout neuf. Il a fait 1 minute. Je vous jure, hein. Brise tout celle-là. Brise tout, brise tout. Bon ben, gros bisous les filles, hein, et puis je vous dis à plus.